Bonjour chers internautes d'AfriqueFemme.com, je suis Dima Kali, nutritionniste diététicienne. Je suis située au centre médical de Prima. Aujourd'hui, je vais vous parler du reflux d'acidité. Comment soulager les reflux d'acidité? Beaucoup de personnes souffrent de reflux. Cela survient lorsque l'acidité de l'estomac remonte vers l'œsophage, ce qui nous donne une sensation désagréable. Voici quelques astuces pour pouvoir éviter les reflux. Le premier conseil, il faut toujours prendre des petits repas. Il faut toujours remplacer les 3 gros repas par jour par 4 à 5 petits repas. Lorsque je prends 5 petits repas par jour, j'évite donc de surcharger l'estomac, ce qui me permet une meilleure digestion. Quand je parle de 5 repas par jour, donc je parle de petit déjeuner, de snack matinal, de déjeuner, de snack d'après-midi et ainsi que le dîner. Beaucoup de personnes aussi peuvent prendre un petit snack avant même de dormir. Et de cette manière-là, je vais éviter les reflux. Le deuxième conseil que je donne, il faut diminuer son apport en matière grasse. Toutes les personnes qui mangent des repas très riches en gras ont tendance à avoir plus de reflux d'acidité. On a donc intérêt à modérer les repas très riches en gras. Le troisième conseil, il faut augmenter les apports en protéines maigres. Les sources de protéines maigres sont parfois plus tolérables. Quand je parle de protéines maigres, je parle de blanc de poulet, de blanc de poisson ainsi que de dinde, donc le jambon de dinde. Le quatrième conseil que je donne, il faut réduire les aliments irritants. Quand je parle d'aliments irritants, je parle de l'alcool, je parle du café, des boissons gazeuses ainsi que certains épices. Chaque personne doit évaluer sa tolérance à certains aliments et supprimer les aliments qui irritent et donc qui favorisent les reflux d'acidité. Le cinquième conseil que je donne, il faut cesser de fumer. La cigarette, donc le fait de fumer, favorise aussi les reflux d'acidité. Voici donc une raison pour laquelle il faut essayer d'arrêter de fumer. Le dernier conseil que je donne, il faut porter des vêtements larges et confortables. Les vêtements larges et confortables vont permettre donc de ne pas avoir une pression sur l'estomac et donc de pouvoir bien digérer et d'éviter les reflux. S'il vous plaît, on doit aussi, pour un dernier conseil, éviter de manger très tard le soir pour pouvoir avoir un bon sommeil. Alors ce sont les conseils pour soulager les reflux d'acidité. C'était Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Vous pouvez suivre ma page sur Facebook, Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. A très bientôt, chers internautes d'AfriqueFemme.com.